woman walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Marienplatz. Marienplatz. Ja. Hier ist der große Fruchtmarkt. Und das ist eine, oh, ich weiß nicht, es ist hier nicht richtig zu sehen, aber das Tram ist mich grave blanche. Ok, donc comme vous avez pu le voir avec tous les petits messages subliminaux, je suis à New York. C'est faux. Je suis à Munich, donc c'est en Allemagne. Je suis ultra contente parce que c'est la première fois de ma vie que je suis. Oh non, c'est ultra gênant. Il y a plein de gens qui travaillent juste en face qui me regardent. Donc bref, je vous emmène avec moi pour ces deux jours avec ma mère à Munich. Donc c'est grave bien. En plus de ça, elle pense que ça va me remotiver un peu de voir l'Allemagne vu que je suis jamais allée, pour me motiver un peu en cours, étant donné que je suis très très nulle. Donc voilà, elle a décidé de me laisser un peu me démerder et parler un peu toute seule aux gens. Sauf qu'elle a pas vraiment compris en fait que mon vocabulaire se résumait à 10 mots. Genre bonjour, au revoir, merci. On n'est pas dans le caca. Donc voilà, je pense qu'on va bien se marier. Comme vous pouvez le voir, je suis dans ma petite chambre. Franchement, c'est trop mignon, je vais vous montrer. C'est tout mimi. Franchement, c'est grave mimes. Bon, par contre, c'est grave la honte parce qu'en une matinée, je me suis tapé la honte 400 000 fois auprès des gens. Je sais absolument pas parler allemand. On a un petit livre que je vous ai montré au début. Mais bon, c'est pas ultra utile. Et puis surtout, vraiment, je suis nulle, quoi. Dites-moi en commentaire si vous aussi, il y a des gens qui ont fait genre 5 ans d'allemand, mais qui en sont vraiment au stade zéro. Genre vraiment nul, quoi. Oupsie. On va essayer de se débrouiller, écoutez. Bon, bah, la chambre est nickel. Parfait. Hein, Jeanne ? Je suis morte. C'était bien. Voilà. Ma mère devient youtubeuse. Et donc, Jeanne a un petit peu parlé allemand, mais pas beaucoup. Hein. Ouais, pas beaucoup, non. Ouais, pas... bah, un petit peu quand même. Un petit peu. Je me suis un peu tapé la honte quand même. J'ai eu le temps. Et en vrai, vite fait, j'ai compris ce qu'elle a dit, la dame. T'as vu ? Tu veux vraiment mettre la télé en allemand ? Ah ouais. Oh non. La télé en allemand, Jeanne, avec tes 12 mots de vocabulaire, ça va être. Arrête, donne-moi pas de moi. Nickel. Carrément un restaurant. On vient de manger, on va peut-être pas y retourner, non ? Bah non. On a cru que c'était un musée. Allez, on repart. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va aller voir Harry Potter en allemand. Super ! On va massacrer mon film préféré. Non, en vrai, ça va vraiment être bien parce qu'il va y avoir un orchestre qui va jouer toutes les musiques du film. Donc ça va être vraiment top. Toi, tu l'as vu ? Ah, moi, je l'ai vu, mais en français. Ouais, elle l'a fait en français. Mais en plus, elle parle pas du tout allemand, elle a fait espagnol. Voilà. Enfin, moi, je suis nulle aussi. Si, je sais dire Dankeschön. Oui, Dankeschön, c'est bien. C'est merci. Écoute, Thank you.
fait 20 minutes. On essaye de prendre une petite photo stylée devant ça avec le bretzel. Maman, tiens bon. En plus, ça fait un très bon focus, mais du coup, c'est un peu ridicule. Il y a 20 000 gens qui passent là et qui nous regardent en mode ok. Qu'est-ce qui est mieux, c'est moi ou le bretzel? Le bretzel, désolé. Les folles au bretzel, youhou. Qu'est-ce que tu penses de ce chocolat chaud, maman? C'est très bien. C'est très bien. Avec le petit bretzel, cliché x 10 000, on adore. Bah regarde maman, ça c'est traditionnel. On va aller manger au McDo. Ouais, c'est bien ça. Ça te veut ça? Je viens de commander un coca et regardez ce que je viens de recevoir. Le truc qu'ils me l'ont mis dans une chope de bière, je suis morte, c'est énorme. Comment je vais boire ça moi? Alors Jeanne, c'est bon ce que tu manges? Très bien. Ça s'appelle comment en allemand? Käsespätzle. Et ça veut dire quoi? Les pâtes. Mais c'est ridicule. On peut faire un parapluie toute vie. Ouais grave, là après le bretzel, on essaye de faire une photo avec des bulles. On galère, c'est horrible. Moi je suis sous le parapluie. Super. Dure vie pour les youtubeurs. Les gens ne... Mais grave, les gens ne comprennent pas. C'est d'une importance capitale de faire une vidéo avec des bulles, ok? Non maman, c'est gênant. Il y a encore quelqu'un qui arrive. Je suis morte. Oopsie. Ich möchte Blut und Leberwurst mit Sauerkraut und Kartoffeln frites. Ah ouais, t'es sûre de toi là? Ouais. Je me tape un peu la restaurant là. Ouais, bah on verra ce que tu vas avoir, hein. Super. Surtout. J'avais pas très 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 faim. Du coup voilà, j'ai pris ça. Petit appétit, ça va aller très bien là. Bon attends, on peut aller un peu par là. Parce que c'est un peu gênant là en fait. Vas-y avec ton bretzel. Viens, on va par là-bas. C'est pas grave, on fait un peu de marche. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez bien aimé un peu ce nouveau format. Même si j'en ferai pas tout le temps, je trouvais ça sympa. Au final, j'ai pas tant galéré que ça pour l'allemand, un peu quand même. Un peu, ouais. Un chouïa, mais je me suis débrouillée. Ça va. Bretzel. Et ouais, bretzel. C'est tout ce que je t'ai dit. Non, en vrai, ça, je me suis débrouillée un petit peu. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. Et je vous fais le gros bisou. Mit meine Bretzel. Et on vous dit à très bientôt. Il est tout sec. Ah ouais, t'as mangé le bretzel quand même. Après tout ce qu'il a fait.